Cette année, Apple ne commercialise non pas deux, mais trois nouveaux smartphones, l'iPhone 8, 8 Plus et 10. Oui, 10 pour fêter les 10 ans de l'iPhone. 10 comme le chiffre romain. En plus de ces trois nouveaux smartphones, Apple continue toujours de commercialiser sur son store l'iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus et le SE. Pour fêter les 10 ans de leur premier iPhone, Apple a décidé de frapper fort en proposant le meilleur de leur savoir-faire. Avec un design reprenant des airs de famille du premier iPhone, ainsi que celui de l'iPhone 4 et 4S avec leur dos en verre. Cependant, le verre de l'iPhone 10 se veut être le verre le plus résistant jamais conçu pour un smartphone. Il possède un châssis en acier inoxydable, rappelant celui de l'Apple Watch. Tout comme l'iPhone 7 et 8, il est résistant à l'eau et à la poussière. Il est certifié IP67. Proposé en seulement deux coloris, argent et gris sidéral. Apple ne propose pas le nouveau coloris or réservé à l'iPhone 8 et 8 Plus. Disponible en deux capacités de stockage, 64 ou 256 Go. Par rapport au premier iPhone, on peut remarquer que les boutons n'ont pas totalement changé. On a toujours un bouton d'allumage, un bouton pour le mode silencieux, les deux boutons de volume et non, pas de bouton Home. Avec cet iPhone 10, c'est une vraie rupture avec les anciennes générations d'iPhone. Concernant la façade avant, fini le design de l'iPhone 6 de 2014 avec ses bords en haut et en bas de l'écran. Sur l'iPhone 10, plus de bords ni de boutons Home. Désormais, Apple s'aligne sur la concurrence en proposant un téléphone borderless avec une plaque de verre qui regroupe la quasi-totalité du téléphone. L'écran de l'iPhone 10 a deux petites cornes en haut du téléphone, à cause de l'encoche, qui en fait regroupe la caméra frontale et les capteurs pour la reconnaissance faciale. Cette encoche est désormais la marque de fabrique de l'iPhone 10 et des futurs iPhones. Avant, on reconnaissait un iPhone avec ses bords en haut et en bas de l'écran et son bouton Home. Désormais, on le reconnaîtra grâce à son design borderless et son encoche. Parlons justement de cet écran borderless de 5,8 pouces qui, en termes de design, est une grosse nouveauté pour cet iPhone 10. En effet, il s'agit de la plus grande taille d'écran jamais proposée sur un iPhone. Après le 3,5, le 4, le 4,7, le 5,5, place au 5,8 pouces. L'avantage de cet écran borderless est de proposer un écran encore plus grand que les modèles Plus, le tout dans un format form factor compact. Il est à peine plus grand qu'un iPhone 7, 8 qui ont un écran de 4,7 pouces. La dalle de l'écran de l'iPhone 10 est fabriquée par Samsung, qui fait payer cet écran très cher à Apple et ceci se ressent au prix final pour le client. Mais seulement la dalle est fournie par Samsung. C'est Apple qui a travaillé sur les technologies de l'écran. D'ailleurs, Apple l'appelle le Super Retina HD. En plus d'être quasiment borderless, il est équipé de la technologie OLED qui permet des couleurs somptueuses, une extrême précision des tons, la fidélité des noirs, une luminosité élevée et un contraste de 1 million pour 1. De plus, cet écran est HDR. Le HDR, c'est le High Dynamic Range. Pour faire simple, proposer une plus grande amplitude entre les scènes noires et les scènes claires. Le but est de se rapprocher de la vision humaine. Autre nouveauté, la technologie True Tone qui était jusque-là propre aux iPad Pro et est désormais sur l'iPhone 8, 8 Plus et 10. L'écran va s'adapter automatiquement aux conditions de luminosité ambiante pour afficher des couleurs homogènes quel que soit l'environnement, ce qui permet de moins nous fatiguer les yeux. Cet écran possède la large gamme de couleurs P3 qui permet des verts et des rouges encore plus éclatants pour des photos et des vidéos encore plus fidèles, ainsi qu'un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts. Bien sûr, on retrouve évidemment la technologie 3D Touch que l'on retrouve depuis l'iPhone 6S. En plus d'avoir le plus grand écran jamais proposé sur un iPhone, c'est aussi celui qui a la meilleure résolution. Les iPhone modèle Plus ont une résolution de 1920x1080, soit du Full HD. Cet iPhone 10 a une résolution de 2436x1125 avec un taux de pixels par pouce de 458 ppp. Quand les sites web et certains médias high-tech disent que l'écran de l'iPhone 10 est un des plus beaux écrans qui existent sur un smartphone, ils n'ont pas totalement tort. Pour une première fois avec la technologie OLED, c'est clairement une réussite. L'écran est lumineux et contrasté, tout en gardant les couleurs naturelles. L'arrivée de l'affichage True Tone est un vrai bonheur et repose vraiment les yeux.
Le possédant sur mon iPad Pro, je suis bien content de l'avoir sur mon iPhone X. Le fait d'avoir un écran borderless dans un form factor d'iPhone 7 est très agréable et on garde une très bonne prise en main. Nous sommes tellement absorbés par la qualité de l'écran que nous ne faisons pas du tout attention à l'encoche, même dans nos usages de tous les jours. Concernant les jeux et les applications, le fait d'avoir un écran borderless apporte un vrai plus. Mais, il y a un mais, le ratio. Sur les anciens modèles d'iPhone, on a un ratio de 16/9, alors que l'iPhone X a un ratio de 18,5/9. Pour faire simple, quand on regarde une vidéo sur YouTube, c'est du 16/9, la vidéo prend tout l'écran. Le ratio 16/9 est actuellement le ratio le plus utilisé aujourd'hui. Le problème avec le ratio 18,5/9 de l'iPhone X est que l'on ait affaire à deux bandes noires sur les côtés. Pour résoudre ce problème, on peut zoomer dans la vidéo. Ainsi, la vidéo englobe tout l'écran. L'encoche ne gêne pas du tout tellement qu'on est absorbé par la qualité de l'écran. Si on regarde un film ou une vidéo high-tech par exemple, la perte d'informations ne gêne pas tant que ça. Par contre, si on regarde des vidéos comme celle de Stevie Games par exemple, le fait d'avoir la webcam dans le coin de l'écran avec l'effet de zoom n'est pas très agréable. Cependant, ce problème de ratio n'est pas la faute d'Apple. Par rapport à Samsung, par exemple, Apple ne propose pas de zoomer l'application. Ce qui fait que les développeurs doivent mettre à jour leur application pour s'adapter au nouveau ratio de l'iPhone X. Mais certains développeurs mettent énormément de temps à mettre à jour leur application. Avec la suppression du bouton Home, un problème se pose à nous. Comment on fait pour quitter une application, accéder aux multitâches? En apprenant de nouveaux gestes qui sont incroyablement intuitifs. Le bouton Home est un pari risqué pour Apple. Cela signifie la suppression du lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Apple a préféré retirer Touch ID plutôt que de le placer sur la façade arrière du smartphone comme le proposent certains concurrents et de le remplacer par Face ID. Face ID, c'est la reconnaissance faciale. Ne pas confondre reconnaissance faciale qui fait une capture de votre visage et reconnaissance d'iris qui se focalise sur vos yeux. La caméra avant, appelée caméra TrueDepth, possède une caméra infrarouge, un illuminateur infrarouge, un détecteur de proximité, un capteur de luminosité ambiante, un projecteur de point, ainsi que l'appareil photo avant de 7 mégapixels, un haut-parleur et un micro. Cette caméra capte les données de notre visage en projetant et en analysant plus de 30 000 points invisibles afin de créer une carte de profondeur et de capturer une image infrarouge de notre visage. Grâce à ces capteurs infrarouges, cela pourra fonctionner dans le noir. Face ID fonctionne aussi avec des lunettes de soleil, sauf si celles-ci bloquent les rayons infrarouges. Du temps que l'on ne casse pas une partie de notre visage, il sera en mesure de déverrouiller notre téléphone. De plus, grâce à ses faibles émissions, il ne peut pas endommager les yeux ou la peau. Les données de Face ID ne quittent jamais notre iPhone et ne seront jamais sauvegardées sur iCloud ou ailleurs. Face ID s'adapte automatiquement à nos changements d'apparence, par exemple si on se maquille, si on se rase la barbe. Il se peut qu'il nous demande de confirmer notre identité en cas de changement plus significatif. Il va en effet nous demander notre code afin de mettre à jour nos données faciales, afin qu'il puisse nous détecter encore mieux à l'avenir. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Pour faire simple, au fur et à mesure que l'on déverrouillera notre iPhone, Face ID analysera notre visage et appliquera les changements nécessaires qui seront apportés. Tout ceci fonctionne grâce au système neuronal propre dans la puce A11 bionique. C'est justement le machine learning qui permet à Face ID de se différencier de la concurrence. Cela apporte d'ailleurs plus de sécurité. Si vous imprimez une photo de vous et que vous souhaitez déverrouiller votre iPhone avec, cela ne marchera pas. D'ailleurs, Apple a même utilisé des masques 3D utilisés par Hollywood pour essayer de fausser Face ID. Cela n'a pas fonctionné. Pour ce qui est de la sécurité de Face ID, il est plus fiable que Touch ID. Le taux de probabilité pour qu'une personne arrive à déverrouiller votre iPhone X avec Face ID est de 1 pour 1 million, contre 1 pour 50 000 dans le cas de Touch ID. Cependant,
Toutes les technologies ne sont pas parfaites. Il y a des cas où Face ID se fait avoir. D'ailleurs, Apple l'a précisé. Si vous avez un frère jumeau parfait, pour les personnes de moins de 13 ans, Face ID ne peut ne pas fonctionner. Ce qui est normal, à cet âge-là, le visage n'a pas fini d'être formé. Et les personnes souffrant d'incapacité physique peuvent sélectionner option d'accessibilité. Ainsi, tous les mouvements de la tête ne sont pas requis. Face ID est vraiment très pratique, beaucoup plus que Touch ID en utilisation. Par exemple, quand j'avais les doigts mouillés, cela ne marchait pas toujours. Je n'ai plus à taper mon code avec Face ID, alors qu'avec Touch ID, ça m'arrivait plus souvent. Et est-ce que Face ID est plus long que Touch ID? Oui, de 0,50 secondes. Et est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Non, ça arrête toujours très rapide. Et je ne lui fais pas spécialement attention. De là à dire que Face ID nous fait oublier qu'on a déverrouillé son téléphone, je suis pas vraiment d'accord. Le fait de glisser vers le haut, pour moi, montre que je dois déverrouiller mon téléphone. Cependant, pour Apple Pay, on oublie presque qu'on a l'impression de payer. Avec Touch ID, notre doigt était comme une validation de paiement. Avec Face ID, nous n'avons plus rien à faire, on l'invoque et c'est payé. C'est très rapide et encore une fois, c'est sécurisé. L'appareil photo de l'iPhone 10 possède un double capteur photo comme sur l'iPhone 7 Plus. Sauf qu'au lieu d'être à la verticale, il est à l'horizontale. On se retrouve avec un grand angle et un téléobjectif de 12 mégapixels. Le grand angle a une ouverture de 1.8, le téléobjectif a quant à lui une ouverture de 2.4, ce qui lui permet de faire des zooms optiques et des zooms numériques jusqu'à 10 fois. Bien sûr, ce n'est pas un nombre de mégapixels qui fait la qualité de la photo. De plus, ce qui différencie le double capteur photo de celui de l'iPhone 7 Plus est que les capteurs sont stabilisés, offrant ainsi des photos et des vidéos de meilleure qualité. Autre nouveauté, l'iPhone 10 peut filmer en 4K, 60 images seconde, le tout stabilisé, et faire des ralentis en 1080p en 240 images seconde. En caméra avant, on est toujours sur du 7 mégapixels avec une ouverture 2.2. Sur l'iPhone 7 Plus, nous avons la possibilité de faire des photos en mode portrait. Cela crée un effet bokeh à notre photo, c'est-à-dire un flou d'arrière-plan. Avec l'iPhone 8 et 8 Plus, Apple propose désormais, en plus du mode portrait, l'éclairage de studio, l'éclairage des contours, l'éclairage de scène et l'éclairage de scène mono. Mais sur l'iPhone 10, on retrouve aussi ces nouveautés sur la caméra avant. Cependant, ces fonctionnalités sont encore en version bêta. Petit test de la caméra avant de l'iPhone 10, on est sur du 1080p. Je tenais à vous dire que tous les plans photos et vidéos que vous allez voir, il n'y aura aucune correction, voilà, que ce soit au niveau du son, de l'image, tout est au naturel. C'est parti donc pour enregistrement vidéo, donc avec la caméra arrière cette fois-ci l'iPhone 10, on est sur du 4K 60fps. Si vous avez un écran 4K, une dalle en 4K, n'hésitez pas à changer les paramètres de la vidéo. Je reprochais à l'iPhone 7 ses photos en faible luminosité. Avec l'iPhone 10, ce problème a été corrigé. Les photos sont plus belles, plus contrastées, mais tout en restant naturelles. Le double capteur photo stabilisé est un pur bonheur, surtout pour les vidéos. Et je suis bien content d'avoir le mode portrait. Même si ces nouvelles fonctionnalités d'éclairage de portrait ne sont pas du tout au point, que cela soit pour la caméra avant ou la caméra arrière. Même si ces fonctionnalités sont en bêta, j'aurais préféré qu'Apple attend qu'elles soient entièrement fonctionnelles pour lui proposer, qui pourrait éviter de décevoir ses clients. L'iPhone 10 est équipé de la puce A11 bionique, qui est dotée d'un système neuronal, bien utile pour Face ID entre autres, qui permet d'effectuer 600 milliards d'opérations à la seconde. Cette puce A11 bionique possède 4 cœurs à haute efficacité énergétique, jusqu'à 70% plus rapide que la puce A10 Fusion, et deux cœurs haute performance jusqu'à 25% plus rapide. Le processeur peut même exploiter les 6 cœurs en même temps. Les applications tournent très rapidement, de même pour les œufs. En effet, je peux vraiment faire tourner n'importe quel jeu ou très grosse application sans avoir à m'y soucier, aucune latence, aucun signe de souffle. L'avantage d'avoir un processeur aussi puissant est pour l'usage de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quand du virtuel prend vie dans le réel.
comme Pokémon Go. À ne pas confondre avec la réalité virtuelle où c'est nous qui sommes plongés dans un monde virtuel, comme les jeux avec le maître de réalité virtuelle, HTC Vive. La réalité augmentée permet de faire des choses incroyables, par exemple mesurer une pièce de sa maison avec son smartphone, tester des lunettes, retrouver sa voiture, essayer des meubles chez soi avant de les acheter, avoir une nouvelle expérience de jeu. Entre autres, par exemple, les Animosi qui utilisent la caméra Face ID pour analyser les mouvements de notre visage afin de donner vie à des emojis. Ce qui est marrant pour rigoler avec ses amis, ses proches ou même faire des créations artistiques comme les karaokés. Est-ce que le fait d'avoir autant de puissance sur ce smartphone joue sur son autonomie? Pas du tout, bien au contraire. J'ai une utilisation vraiment intensive de mon téléphone, à savoir réseaux sociaux, SMS, jeux, mails et autres applications de la vie quotidienne. En gardant ce même usage intensif, je devais recharger mon iPhone 7 minimum 3 fois par jour. Là où avec l'iPhone 10, j'ai juste à le recharger une seule fois par jour pour être sûr de terminer ma journée. De plus, l'iPhone 10, comme l'iPhone 8 et 8 Plus, dispose de la recharge rapide, ce qui est vraiment très pratique quand on a très peu de batterie et qu'on souhaite l'utiliser. On passe de 0 à 50% en 30 minutes. Ceci ne nuit vraiment pas à la durée de vie de la batterie. En effet, à partir de 80%, le cycle de charge ralentit pour préserver sa durée de vie. En plus de disposer de la recharge rapide, l'iPhone 10 dispose de la recharge sans fil QI, qui est une norme standardisée. On peut donc acheter des chargeurs QI sans fil d'autres marques, comme Belkin ou Wofi. La recharge sans fil est très pratique, surtout si on a un setup et qu'on travaille dans un bureau. L'inconvénient de la recharge sans fil, c'est que ça recharge lentement notre iPhone. Pour répondre au titre de cette vidéo, est-ce que l'iPhone 10 est le smartphone du futur? Du futur, non, mais des 10 prochaines années, oui. Cet iPhone 10 a été créé pour fêter les 10 ans du premier iPhone. Il marque un changement majeur par son design, avec la disparition du bouton Home, son écran borderless, que l'on retrouvera sur le futur de la gamme Apple. Cela dit, un iPhone ça reste iOS, nous ne sommes pas perdu quand on utilise un iPhone 10, à part peut-être pour les nouveaux zestes, on s'y habitue très rapidement. Cependant, ce smartphone a un prix. 1159€ en 64Go, 1329€ en 256. Est-ce que ce prix est justifié? La réponse à cette question vous appartient. En tout cas, cet iPhone 10 répond entièrement à mes besoins. Là où les anciens modèles d'iPhone n'ont pas répondu à 100% à mes besoins. Personnellement, je ne regrette pas mon achat. J'en suis enchanté de ce nouveau modèle. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo sur l'iPhone 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions sur cet iPhone 10, n'hésitez pas à venir me les poser et justement à me suivre sur les réseaux sociaux pour que je puisse me faire une joie et un plaisir d'y répondre. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye!